Cela fait 4 jours que le séisme dévastateur a frappé le Maroc. Hier soir, le bilan provisoire faisait état de plus de 2800 morts selon le dernier communiqué des autorités. À Besançon, à la foire mensuelle Parking Battant, certains marchands ont encore du mal à contenir leur tristesse et leur stupeur. Donc on est un peu quand même, on est un peu sous le choc. On est sous le choc, franchement, on est sous le choc. On a de la famille aussi là-bas, mais alhamdoulilah, ils n'ont pas eu grand-chose. Mais certes, quand on voit ce qui se passe dans l'Atlas, etc., c'est vraiment... Le Grand Atlas, ouais. Le Grand Atlas, c'est vraiment choquant. Franchement, c'est vraiment choquant. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'ici, nous, on ne peut rien faire, mais on les aide quand même moralement. Et puis, s'il y a quelque chose à faire, on le fera. C'est sûr. Je suis triste par rapport à ce qui s'est arrivé au Maroc. Je suis marocain d'origine marocaine. Et on est juste à côté, à la vieille ville. Ils ont tombé des maisons. Heureusement, il n'y a pas de décès. Mais à côté, vers 50 km, vers Moulay Ibrahim, Orica, ils ont cédé beaucoup de monde. 2000, 3000. C'est triste, c'est triste. Malheureusement, ce qui s'est passé au Maroc, ce qui aggrave la situation, c'était pas prévu. 5-6 secondes, tout était détruit. Surtout autour de la ville de Marrakech. Des petits villages de 30 à 40 habitants. Les maisons étaient, soi-disant maisons, c'est même pas des maisons, elles étaient mal construites. Il n'y avait ni poutre, ni rien du tout. Un simple secousse. Tout était par terre, mais là, c'est pas un simple, c'est 6,9 sur l'échelle de Richter. Et jusqu'à maintenant, je reçois des vidéos du Maroc, des copains, des amis, des associations, soit sur les réseaux sociaux, soit sur les espaces de mes copains et mes amis, mes anciens collègues. C'est affreux. C'est vraiment touchant. Ça fait mal au cœur de voir des gens encore sous la terre. Ils arrivent et les secours ne sont pas encore arrivés. Depuis vendredi soir, les opérations de secours se poursuivent et les inquiétudes grandissent, en particulier pour les villages reculés autour de Marrakech et qui ont été touchés par la catastrophe. Apparemment, les hôpitaux dans les grandes villes, ils ont pu recevoir et accueillir tout le monde, et essayer de soigner tout le monde. Mais la question, c'est pour ces petits villages, là où il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire et comment peut-on les ramener aux hôpitaux, sachant que les routes, ils sont coupées. Hier, le Maroc avait accepté l'aide humanitaire de 4 pays, l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. L'aide humanitaire de la France et de l'Algérie était restée encore en suspens. Ce qui s'est passé au Maroc, ça nous a vraiment touchés parce qu'on est des frères et on restera toujours. Ce qui se passe entre le gouvernement, ça ne nous concerne pas, mais autant que d'un côté humanitaire, on veut les aider, on veut être avec eux. On reste toujours un seul peuple. Certes, c'est les frontières qui nous séparent, mais c'est le même sang qui coule dans les veines. Toi. On est triste de ce drame. Qui a frappé le Maroc, on n'a pas les mots. Et Inch'Allah, Allah yirhamhom, Inch'Allah, les métaux, ceux qui restent, Inch'Allah, Ya Rabbi, yadihom sabr, Inch'Allah, on est avec eux. À Besançon, un collectif a vu le jour pour coordonner toutes les actions de solidarité à l'égard des sinistrés du tremblement de terre. Les dons financiers seront privilégiés afin de pouvoir apporter une aide adaptée à la situation.